Waouh! Où sommes-nous aujourd'hui? Mais évidemment sur Nyanseban! Yeah! Dans notre 8e vidéo analyse. Mes frères, si vous êtes contents, sautez un peu. Sautez un peu! Parce qu'aujourd'hui, nous allons encore découvrir des choses vraiment extra. Oh! Dis! Nah! Wouh! Si tu n'es pas abonné, faites cliquer sur s'abonner. Oui, si vous n'avez pas encore cliqué sur j'aime, cliquez sur j'aime et n'oubliez pas que à côté de s'abonner, c'est tout une cloche. Si elle n'est pas encore activée, vérifiez bien qu'elle est activée. Sinon, cliquez directement là-dessus, activez là parce que nous entrons dans une autre dimension. Let's go. Nang's Reborn. C'est extraordinaire. Bienvenue mes frères et sœurs. Et nous sommes bel et bien sur Nyang's Reborn. Et aujourd'hui, nous allons voir des choses vraiment assez incroyables. Des transformations dues au maquillage, au nouveau make-up. Franchement, vous allez voir. Franchement, c'est incroyable. C'est pratiquement incroyable. Est-ce que Dieu approuve cela? Est-ce que Dieu est d'accord avec cette histoire? Franchement, que Dieu nous aide. Mais nous devons savoir pour commencer que dans le témoin puissant précédent, nous avons reçu une femme qui nous a expliqué des choses assez incroyables. Elle a dit qu'elle a eu une vision. Et dans cette vision, elle a vu une femme chrétienne à l'enfer, en train d'être consumée par le feu, parce que sur la terre, elle se maquillait beaucoup et elle mettait des vernis à ongles, toutes ces histoires. Des make-up, de toutes ces histoires, on en parle. Et ce qui est étrange, c'est que ce n'est pas le seul témoin que nous avons reçu. Une autre femme aussi nous a révélé que, elle aussi, quand elle est décédée, elle a vu des choses horribles. Et ce qu'elle a vu, ce sont des femmes maquillées qui se trouvaient tout simplement à l'enfer là-bas. Et à cause de cela, les démons les torturaient. Parce que pour les démons, tous les produits de beauté qu'on met sur nos visages, ce sont des choses qui les appartiennent. Parce que ce sont eux qui les ont inventées et ils possèdent même ces choses-là. C'est assez compliqué. Même dans l'un des témoignages, où il y a une témoignage où il y a une fille, elle a 11 ans. Tapez seulement dans la barre de recherche, cherchez seulement, elle a 11 ans. Vous allez voir, cette vidéo va apparaître. Même sur YouTube, tapez elle a 11 ans. Et elle a vu, voilà. Tapez ça seulement. Cette fille, elle a 11 ans, elle aussi elle a témoigné. Elle a dit qu'elle a vu une femme qui aimait se maquiller. Et elle aimait mettre des vernis à ongles, toutes ces histoires, les bracelets, les bijoux. Et elle aussi, elle s'est retrouvée à l'enfer en train d'être torturée. Donc, pour être ferme, pour avoir plus d'informations sur le sujet, jetez un coup d'œil, faites des recherches encore sur le sujet. Et dans cette vidéo, nous allons vous montrer les transformations. Qu'est-ce qui arrive quand les femmes mettent de tels produits sur elles? Sont-elles toujours à la ressemblance de Dieu? Ou ressemblent-elles à une autre personne autre qu'elles-mêmes? Parce que nous savons tout ceci, que Dieu il veut tout simplement prendre. Dieu veut prendre ses enfants à l'état naturel. Est-ce que vous voyez comme je suis? Voilà. Dieu merci. Je ne suis pas tchatchou. Bon, chez nous, on appelle ça tchatchou. En fait, quand tu utilises des pommades pour te dépigmenter, voilà, c'est ça. Dieu merci, je ne suis pas dépigmenté. Même dans le monde, ça ne m'a pas plu. Ce ne sont pas des choses qui m'ont plu. Même si je voyais quand même quelques personnes le faire. Mais regardez, Dieu merci, je suis à la naturelle, il n'y a pas de problème. Ça, je n'ai pas ajouté des extensions, c'est naturel. C'est comme ça que Dieu vous voit à la naturelle. Maintenant, si tu trouves que, par exemple, tes barbes qui sont là, bon, tes moustaches, tout ça, c'est beaucoup. Tu peux aller chez le coiffeur, ils vont carrément te coiffer. Si tu vois, par exemple, qu'il y a un bouton qui est ici, vous voyez, est-ce que vous voyez? Voilà. Tu peux, par exemple, appuyer tout simplement pour le casser. Mais si tu vois que c'est un gros problème, que ça nécessite une opération. Si ça nécessite une opération, tu dois forcément aller voir un docteur bien approprié ou un médecin ou quelqu'un, un spécialiste dans la chirurgie afin qu'il puisse régler le problème. Rien que pour ça, si tu vois que ça nuit à ta santé. Voilà.
Mais si tu dis que tu veux utiliser des produits genre pour t'embellir, pour que les gens te regardent, même pour les séduire, sache que ton intention est mauvaise et ça, ça risque de te conduire dans les endroits vraiment mauvais. Et pour ajouter à cela, ce que nous voulons te dire, il y a une femme aussi dans son témoignage, elle a dit qu'elle était face à un démon qu'elle devait affronter. Et elle devait chasser ce démon-là. Mais elle faisait tout, elle invoquait le nom de Jésus-Christ, ce démon ne partait pas. Et elle ne faisait que lui dire, va-t'en au nom de Jésus, mais ne partait pas. À un moment donné, il lui a dit, est-ce que tu sais pourquoi je ne veux pas partir? C'est parce que là où tu as des choses qui m'appartiennent sur toi. Et ces choses-là, ce sont tes faux cheveux. Et puis, sur tes faux cheveux, là, il y a une partie qui est bien colorée, toute cette histoire. Même toi, mais souvent, sur tes vrais cheveux, tu teins tes cheveux. Ce produit que tu mets sur tes cheveux-là m'appartiennent. Tous ces produits-là m'appartiennent. Est-ce que tu vois? Même le fond de teint, même le produit que tu as mis sur ton corps, tout ça, ça m'appartient. Et elle, comme elle chassait ce démon, ça ne marchait pas. Finalement, elle a pris la décision d'enlever les faux cheveux et d'enlever cette partie qui était teinte. Et elle a enlevé son make-up, toutes ces histoires de rouge à lèvres. Et elle s'est lancée dans le combat spirituel contre le démon. Et elle n'a même pas fait des efforts. Dès qu'elle a fini, elle a dit au nom de Jésus-Christ, sort, le démon net est parti. C'est un témoignage que nous avons reçu sur Union Scribone. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas mon témoignage. Vous pouvez retrouver ce témoignage tout simplement sur Union Scribone et vous serez surpris. Ok, je pense qu'ici, nous sommes d'accord. Nous ne faisons pas cette vidéo pour vous blâmer, pour dire que vous êtes mauvais, vous n'êtes pas comme ceci, vous n'êtes pas joli, vous n'êtes pas comme ça. Non. Nous faisons cette vidéo pour vous dire que, franchement, la vie est belle. Et il y a beaucoup de choses sur la terre qui nous attirent, mais ce ne sont pas toujours de belles choses ou de bonnes choses parce que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Et ici, nous allons voir que le diable va inventer des choses et pousser des humains à changer leur manière de vivre ou encore transformer le corps que le Dieu leur a donné en un autre corps qui va vous étonner. Franchement, ça risque de vous étonner. Les transformations que vous allez constater ici, que vous allez même voir ici, franchement, vous allez dire « Waouh !» Comment c'est possible? Ok. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour la première image? 1, 2, 3, 4, 5. Woo! Let's go! Oh! Regardez. Que voyez-vous à l'écran? Wow! On voit une fille qui a deux visages. Le premier visage qui est ici, c'est son vrai visage, tel que Dieu l'a créé. Mais elle a trouvé des choses négatives sur son visage. Elle a décidé d'apporter quelque chose ou encore de faire quelque chose pour embellir sa face. Et c'est ce qui a donné le résultat qu'elle a. Wouh! Que pensez-vous de cela? Je pense qu'effectivement, il y a un grand changement, il y a eu un grand changement. Regardez comment elle était au départ. Et regardez comment elle est devenue. Et dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas eu de changement? Mais bien sûr que oui. Est-ce qu'elle n'est pas belle? Elle est très belle. Elle est devenue encore plus belle que belle. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton vrai toi qui est là. Le jour tu seras seul avec ton mari à la maison sur le lit. La personne que tu lui as toujours présenté comme ça, quand tu l'as vu dehors, ou quand il t'a vu dehors, le jour où il va voir ton visage comme ça, il ne va plus t'aimer. En tout cas, il faudrait qu'il soit vraiment fort. Sinon, il va dire que tu l'as trompé, tu l'as menti sur ta véritable identité. Il a cru que tu étais comme ça, mais tu es devenu comme ceci. Il y a certaines personnes qui ont dit, ah, avant de marier une femme, faut la regarder sans make-up. Tu vois? Que finalement là, le fait que tu te transformes pour devenir une femme autre que toi, ça va, au lieu de te valoriser, ça va plutôt te dévaloriser. Dans la mesure où les gens vont te dire, mais ah, toi franchement, sans make-up,
tu n'es rien. Parce que finalement, toi-même, tu n'as plus cette force-là de sortir de ta maison sans te maquiller. Parce que tu n'as pas déjà appris aux gens à t'accepter tel que tu es. Accepte-toi toi-même. Tu es belle. Je ne vois même pas quel est le problème avec elle, son visage. Tout est parfait ici. Qui est parfait? Nul n'est pas fait. Est-ce que tu n'as pas vieilli un jour? Tu es sûr que ton visage va toujours rester beau? Même comme ça, tu es très belle même. Vous allez voir les visages qui vont venir. Mais regardez. Est-ce que vous n'allez pas vieillir un jour? Est-ce que vous n'allez pas vieillir un jour? Tu vas vieillir. Est-ce que tu auras toujours de tels cheveux sur toi? Est-ce que tu auras toujours de tels cheveux sur toi, une telle beauté? Dieu veut te voir à la naturelle. Et ce n'est pas tout. Regardez ça. Wow. Cette fille est vraiment jolie même. Regardez comment elle est jolie à la naturelle ici. Elle est belle. Mais peut-être qu'elle a trouvé que il y a quelque chose qui lui manque. Regardez là. Elle est à la naturelle. Sans rouge à lèvres. Moi aussi, la voit comme ça à la naturelle. Il dit, wow, mais tu es jolie, ma soeur. Tu es jolie. Mais quand je vais voir avec make-up comme ça, je dis, bon, je ne peux pas mentir pour dire que ce n'est pas joli. C'est joli. Mais je dis, franchement, c'est beau, mais tu aurais dû rester comme ça à la naturelle parce que moi, j'aime tout ce qui est original. Je lui dis quoi? Ah! Oui! Naturel. Natural. Dieu même veut te voir à la naturelle, tel qu'il t'a créé. Tu es déjà belle comme ça. Toi, pour toi, on dit que ton cas, on peut dire que dans ton cas, ça va. Tu n'as pas besoin de te fatiguer encore pour ajouter des extensions, des produits. Mais regardez la transformation. On ne voit pas une grande transformation par rapport à ici. On ne voit pas. Mais ne vous inquiétez pas. Les choses ne font que commencer. Regardez l'image qui vient. Est-ce que c'est la même chose que c'est la différence? C'est une autre femme. Là, elle est tout simplement au point A, puis au point B. Quelle est la différence? La même chose. Si tu es belle, ne te fatigue même pas pour acheter des extensions. Tu perds ton temps. Oh! Regardez. Waouh! Cette femme avait vraiment quelques problèmes avec son visage. Elle a remarqué beaucoup de points rouges sur son visage et elle a décidé de la convertir en quelque chose de parfait. Genre utiliser ses défauts pour les transformer en quelque chose de positif, d'extraordinaire. Et c'est le résultat qui donne ça. Quelle transformation! Quelle transformation! Et elle se regarde comme elle était avant. Elle se regarde comme elle est aujourd'hui. Et elle peut dire à tout le monde, regarde-moi. Dans le passé, j'étais comme ça. Mais aujourd'hui, je suis devenu comme ceci. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. Waouh, c'est extraordinaire. Vraiment, la transformation est hors du commun. Et ça, c'est assez incroyable. Des deux, qui Dieu va-t-il choisir? Dieu va choisir cette femme même que Dieu a créée à la naturelle comme ça. Ça veut dire qu'en ce moment-là, toi-même, tu dois apprendre à t'accepter tel que tu es. Il y a plein de femmes aujourd'hui. Elles ne veulent même pas qu'on les filme. Même on les prenne en photo sans maquillage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as accro à ton make-up, au maquillage. Tu as accro à cette histoire. Sans ça, tu n'es rien. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le make-up va devenir quoi maintenant? Ton rituel. Tu vas faire ton rituel de chaque jour. Vous n'imaginez pas combien de temps ça prend aux femmes pour faire ça. Il y a certaines femmes qui disent que une heure du temps, rien que pour faire le make-up, une heure du temps devant ton miroir. Ça s'appelle un rituel finalement. Parce que ça, tu dois le faire chaque jour. Et tu veux même pas que ton mari te voit tel comme ça, sur cette sphère-là. Oh, moi, je vois pas en quoi tu as un problème. Dieu veut nous voir la naturelle.
Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Parfois, il y a beaucoup de, parfois il y a certains produits de beauté, mais des make-up qui créent même des problèmes plus graves que ça, que graves que des points noirs que tu as sur le visage peut-être. Ça creuse même des points plus noirs que noirs. Tu as même peut-être regretté mais d'avoir utilisé un make-up. Et tu vas maintenant rechercher ton côté naturel comme tu es ici, mais tu l'auras déjà perdu parce que tu as fait autre chose. Regardez ça. Waouh! Regardez comme elle était. Regardez comment elle est devenue. What a shock! Quel choc! Que pouvez-vous dire de cela? On peut dire qu'il y a un véritable changement. Regardez encore. Waouh! Quelle transformation! Pour nous, les choses sont claires. Elle a été transformée. Mais ce n'est pas elle en réalité. On va dire que c'est sa double personnalité. Elle est devenue une double personnalité. Tu as une double personnalité. Waouh! Que Dieu nous préserve de cela. Mais regardez comme elle est devenue belle comme ça aussi. Elle a ajouté des cils, même tout ça, des sourcils, toutes ces histoires. Elle est quand même jolie, hein? Mais si tu te dis de rester à la naturelle, qu'est-ce que tu vas préférer? On dit beaucoup de femmes sont en enfer à cause de ces histoires. Ah, mes frères et sœurs, cherchez à savoir la vérité sur ces histoires avant de les mettre sur vous. Parce que n'attendez pas à ce qu'un démon vienne vous dire que c'est lui qui est propriétaire de ce produit que j'ai mis sur toi et c'est lui qui t'a embelli. Sinon, sans lui, tu n'es rien. Ah! Donne-toi de la valeur. Il ne t'attend pas à ce qu'un make-up ou un produit de beauté vienne te donner de valeur, plus de valeur. Faisons attention. Regardez encore ici. What a shock! Waouh! Regardez la transformation. Il y a une véritable transformation ici. Ah! Regardez comment elle était. Et regardez comment elle est devenue. Waouh! Si tu es belle, tu es belle. Tu n'es pas bien de te fatiguer. Et mettre d'autres choses que ce que Dieu t'a donné. Les cils, toutes ces histoires que le diable lui-même invente pour séduire les humains. Ah, faisons attention, mes frères et sœurs. Quelqu'un va dire, Dieu regarde au cœur. Mais Dieu veut te voir aussi à la naturelle, tel que tu es. Les témoignages que nous avons reçus ne sont pas venus là pour rien. Regardez. Moi, des chocs, regardez ça. Quelle est la différence entre son état naturel et ça? Je peux dire qu'elle est belle à la naturelle. Elle n'a pas besoin de se fatiguer. Elle n'a pas besoin. Moi, j'ai l'impression même que quand elle utilise des extensions, ça dégrade sa beauté. Regardez. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Oui. Quelqu'un qui te voit à la naturelle comme ça, là, il va dire franchement, cette fille-là, elle se démarque des autres. Hein, parce que nous tous, on sait comment ça se passe ici. Franchement, tu es très belle, ma jolie. Regardez ça. Cette fille aussi, elle est jolie. Regardez. Elle n'a pas besoin de faire des efforts. Mais quand elle ajoute d'autres choses, ça devient autre chose, autre personne, une autre personne. Ça devient une autre personne. Est-ce que c'est la même fille? Je vous pose la question. Waouh! Elle n'a pas besoin de se fatiguer. On a l'impression que elle est une sœur jumelle ici. Mais il y a quelques différences entre elle et sa sœur jumelle. Mes frères et sœurs. Waouh! Regardez ça aussi. Elle est déjà belle aussi. Elle est très belle. À la naturelle, elle est trop belle. Quand elle ajoute même des choses sur elle, surtout comme les make-up,
Franchement, moi, je trouve que ça la dévalorise. Ça, elle est, tu es trop belle à la naturelle. Moi, je préfère la voir comme ça, ici. Ça, ça me plaît. Et c'est en plus comme Dieu l'a créé. Dieu t'a bien créé, tu es jolie. Quand Dieu a créé tout ce qui se trouve sur la terre, là, il a dit quoi? Il a dit qu'il a bien créé, il dit que tout ce qu'il a fait, c'est joli. Regardez. Waouh! Transformation. Elle a transformé en une autre personne. Regarde ses yeux, regardez, elle a de beaux yeux comme ça. Et ce sont ses yeux naturels. Est-ce que tu vas dire que comme tes yeux sont comme ça, tu vas encore ajouter d'autres choses à tes yeux? Même s'il y a des gens qui ajoutent d'autres choses à leurs yeux. Et ça, c'est vraiment terrible. Regardez. Mais elle n'est plus comme Dieu l'a créée. Elle est devenue une autre personne. C'est la même histoire ici. Elle aussi, elle est très belle. Elle est naturelle. Mais elle a ajouté quelque chose qui l'a transformée en une autre femme. Elle veut dire qu'elle va être parfaite, mais c'est devenue une autre femme. Regardons encore cette image. Oh, mes frères et sœurs, elle ici, on peut dire que cette femme, vraiment, elle a eu un véritable problème avec son visage. Là, c'est un problème sérieux. La meilleure solution qu'elle a pu trouver, c'est d'ajouter un make-up. Ça fait disparaître quand même quelques points noirs, mais ça laisse entrevoir que en dessous de sa peau se trouvent quand même des points noirs. Ça veut dire que quand elle fait cette transformation, elle se sent meilleure. Mais Dieu peut te donner une nouvelle vie. Cette peau qu'on a là, ce n'est qu'une enveloppe. On va la laisser. Quand nous allons perdre la vie, quand nous ne serons plus de ce monde, si nous avons été sur la bonne voie, nous irons au ciel et nous aurons un corps de gloire. Tout ce qu'il y a sur cette terre là, c'est artificiel. Toi-même, tu sais que naturel, c'est toi qui es là. Mais tu as eu cette transformation. De deux côtés, qu'est-ce que Dieu va accepter? Dieu va te regarder sur cet aspect-là. Et il va te dire, ma chérie, tu es trop jolie. Et moi, je t'aime tel que tu es. Franchement, elle est très belle déjà à la naturelle. Regardez ses yeux. Elle a de beaux yeux comme ça. Waouh, tu es jolie, ma jolie. Tu es jolie. Regardez ça. Y a-t-il une grande transformation? Je pense que non. Bien sûr que non. Mais le résultat est là. Encore, oh, ici, on peut aussi dire que il y a véritablement eu un problème à ce niveau. Il y a eu vraiment un problème. Là, on peut voir qu'elle a vraiment une tache noire sur son visage, des points noirs, des points rouges sur son visage plutôt. Voilà, c'est vraiment rouge. Et quand elle met des make-up, elle sent vraiment une grande transformation. Mais y a-t-il une différence entre son état, c'est-à-dire sa manière dont elle est joviale, elle est contente, sa manière de vivre? Y a-t-il une différence entre ici et là? J'ai l'impression que ici elle est joyeuse, mais là elle est moins joyeuse. Ou bien, regardez vous-même. Regardez bien. Que Dieu nous garde les frères et sœurs. Regardez ici. La transformation est intacte. C'est hallucinant. Regardez. Que serez-vous prêt à faire pour Dieu? Serez-vous prêt à gagner le monde et perdre votre âme? Gagner le monde ici, c'est se faire apparaître, se montrer comme une personne différente en utilisant des produits de beauté, les maquillages, tout ça pour embellir le corps. Or, Dieu il a besoin de vous, votre âme, votre esprit dans la sainteté et non des choses qui vont vraiment vous souiller, vous salir l'âme. Que choisirez-vous? Dieu ou les hommes? L'appréciation des hommes, ce que les humains pensent de vous. L'homme ne peut pas penser quelque chose de bon de vous. L'homme aura toujours de mauvaises pensées. Même s'il vous voit plus belle que belle, plus belle que ça, il aura toujours des pensées négatives contre vous. Donc ne cherchez pas à plaire à l'homme. Cherchons premièrement à plaire à Dieu. Si Dieu m'aime à la naturelle comme ça, moi je kiffe et je marche avec lui. Il y a plein de désirs, il y a beaucoup d'amis qui se sont dépigmentés. Tu le vois et tu me regardes, tu as l'impression que c'est le jour et la nuit.
Mais est-ce que moi je regrette d'être à la naturelle? Mais bien sûr que non! Pour moi, Dieu m'a créé ainsi, il sait ce qu'il a fait. Si Dieu m'a trouvé beau, pourquoi moi je vais me trouver vilain? Non. Oh ma soeur, ici encore on peut voir une grande transformation. Waouh! Waouh! Mais ces points même sur son visage, je peux dire que ces points sur son visage embellissent même sa beauté, ça la rend encore plus belle. Au niveau de cette fille, c'est ce que je peux dire. Et quand elle fait disparaître ces points qui sont sur son visage, il y a l'impression que ça la rend plus triste que triste. Je ne comprends pas, mais c'est ce que ça donne. Ah! Tu utilises de tels produits de beauté pour t'embellir. Mais pourquoi ça te rend triste? Je ne comprends pas. Regardez encore. Là, cette fille ici, à ce niveau, on peut dire qu'elle est triste. Mais là, elle se sent joviale. Mais est-ce que c'est toi? On va dire que tu es, c'est toi qui es ici. Tu dois plutôt être heureuse quand tu es comme ça. Puisque quand tu es comme ça. Parce que quand tu vas revenir devant Dieu, Dieu ne va pas t'accepter avec une nouvelle apparence comme ça. Comment Dieu va nous accepter s'il veut que nous soyons la naturelle? Mes frères et sœurs, posons-nous de vraies questions. Regardez encore, les choses sont là. Waouh, extraordinaire changement. Waouh, l'image qui suit, celle, je la connais, je pense que elle s'appelle comment elle s'appelle? Elle a une émission qu'on appelle American Got Talent. Voilà, j'ai oublié son nom, mais elle joue dans cette émission là. C'est une mannequin, elle était mannequin, je ne sais pas si elle est toujours. Mais regardez la différence. Elle est plutôt belle ici que là. De toutes les façons, elle est belle à la naturelle. Regardez ici, celle-ci elle est vraiment très belle à la naturelle. Il n'y a rien à dire à ce niveau. Regardez bien là. Waouh! Il n'y a pas grand changement, je dirais. Il n'y a pas grand changement. Regardez ici. Ça aussi, franchement, il n'y a pas grand changement. Il n'y a pas de grand changement. Hein. On peut dire que c'est la même chose. Naturel. Avec des produits assez éclaircissants, bon, des maquillages, toutes ces histoires qui font briller le visage. Mais il faut que ton cœur aussi brille comme ça, ma jolie. Elle, je l'aime bien parce qu'elle rit à la naturelle et elle sourit encore plus même ici. Faudrait qu'à la naturelle, tu souris encore plus. Tu es jolie. Et là, c'est extraordinaire. C'est le changement qu'il y a eu sur notre bord. Yann Soubon est ici, car on m'a étonné de surpris de voir les choses extraordinaires comme ça. Regardez ceci. Regardez. Parce que la transformation est là. Elle, c'est une reine. Une reine. Bon, elle est ici, à la naturelle. Mais qu'elle utilise également ses produits de beauté, elle est transformée en une femme vraiment, vraiment plus belle que belle encore. Belle que belle encore. Mais si tu aimes Dieu, que vas-tu faire? Vas-tu accepter ses commandements ou marcher dans une autre voie? Franchement, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à prendre de bonnes décisions dans notre vie. Que Dieu nous aide dans tous les chemins, dans toutes les voies possibles. Regardez. Waouh, c'est assez hallucinant. Que pensez-vous de tout ce que nous venons de vous montrer maintenant? Je pense que c'est extraordinaire, ça vous a peut-être surpris. Les changements qui peuvent arriver lorsque une personne décide de prendre des make-up, de prendre des histoires. Si ça vous a étonné et vous êtes aussi surpris, cliquez sur j'aime. Et dites-nous ce que vous en pensez dans la partie commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonner, cliquez sur la cloche activée. Et préparez-vous pour la prochaine vidéo analyse qui va venir. Ce sera une vidéo extraordinaire encore. Et là, ça va vous étonner. Vous serez plus surpris que surpris. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Ne manquez pas de la partager à toutes vos sœurs. À toutes vos sœurs, afin qu'elles aussi puissent découvrir ce que vous avez découvert ici aujourd'hui. Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yanskoba. Attention, c'est vidéo, c'est tous abonnés, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, attention, c'est vidéo, c'est tout. Toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don, vous pouvez faire le don via PayPal ou encore Western Union. Wow!